Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi et comme vous le savez, le mardi c'est retour de course. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui parce que plein de nouvelles, voilà. Hyper contente. Avant de vous montrer les courses qui sont là partout, partout ici, voilà. Je fais un petit aparté parce que suite à ma vidéo de la semaine de dimanche sur le budget, beaucoup d'entre vous ont voulu commander, mais j'ai eu un petit souci avec ma boutique Etsy. Vous savez, il faut justifier de son identité. A priori, il n'avait pas reçu mes documents, donc ça avait été bloqué. On ne pouvait plus payer, donc on ne pouvait plus passer de commande. Et j'avais mis un challenge du coup pour un concours pour le pack challenge 2021. Pour gagner un petit classeur, et il y en a plein qui n'ont pas pu passer commande à cause de ça. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et, je suis désolée, j'ai un petit truc là qui me fait mal. Et donc, j'ai eu la soudaine idée de faire un site internet. Chose que j'ai faite en 2 jours. Voilà, en 2 jours. J'ai galéré, franchement, j'y ai passé beaucoup d'heures, jusqu'à très tard le soir. Pour pouvoir vous proposer quelque chose. Donc je vous mets le lien en barre d'infos de mon site. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, il y a juste une partie présentation où je vous raconte un petit peu comment j'en suis arrivée là et une partie contact et une partie boutique où vous retrouvez donc toutes les enveloppes, tous les lots, enfin tous les produits que je vous propose et des nouveautés arrivent bientôt. Et je le documenterai régulièrement. Voilà, je partagerai beaucoup de choses, des articles, etc. Je vais vraiment l'alimenter, le faire grossir, le faire évoluer, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Toutes celles qui ont commandé, n'hésitez pas dans la partie boutique à laisser un petit commentaire pour rassurer un petit peu les personnes qui vont voir ça pour la première fois. Et puis aujourd'hui, comme par hasard, j'ai reçu un mail de Etsy comme quoi tout était rétabli, c'est bon, ils ont tout validé, tout redevient normal. Bref, du coup, il y a tout qui fonctionne. Donc vous pouvez passer toutes les commandes que vous voulez, où vous voulez finalement. Sur mon site, ce serait bien parce que voilà, ça me montrerait un petit peu l'intérêt pour le site, donc ce serait chouette. Mais finalement, c'est comme vous voulez. Et du coup, le concours... qui je rappelle regroupera toutes les personnes on va dire qui vont passer commande du pack challenge 2021 pour tenter de remporter donc le classeur transparent que j'ai où je mets mes enveloppes. Je le prolonge du coup jusqu'à mardi, ça devait être jusqu'à dimanche, là on est mardi donc jusqu'à mardi prochain, voilà, pour laisser le plus de chance au plus grand nombre d'entre vous. Voilà, petit aparté fait. J'attends vraiment vos retours sur ça, j'espère sincèrement que ça va vous plaire, même si ça a été fait très vite, j'ai quand même passé beaucoup d'heures. Donc maintenant je monte les courses et je commence par 2 petites choses surgelées que j'ai, comme ça je les remets tout de suite au congèle. Je suis allée chez Leclerc, j'ai pas acheté grand chose parce que il me restait des choses et pas mal de trucs d'ailleurs et du coup voilà, bref, je vous montre. J'ai pris, oui. Des moules comme ça farcis, c'est hyper bon. J'en prenais de temps en temps chez Picard avant, mais je ne vais plus chez Picard. Il n'y en a pas forcément à côté de chez moi. J'en ai un à côté du boulot, mais j'ai peur qu'une fois que j'arrive ici, que ce soit plus super. Bref. Donc là, il y en avait à Leclerc, à un prix hyper correct, 5 € et quelques, je ne sais plus, comme d'hab, je vous mets par là. Et ça m'a trop donné envie, on adore ça avec mon mari, donc... des moules farcies, ça avec une persillade, un beurre persil ail et des petits poissons panés comme ça, voilà, hop, ça c'est vraiment pour les repas de flemme, pour des repas de flemme. Voilà, c'est rangé dans le congèle, ça c'est fait, on continue. J'ai vu ça aussi dans le rayon. Je regardais un petit peu ce qu'il y avait comme viande parce qu'on voulait changer. Même si on en a encore dans le congélateur, hein, on a encore des pilons de poulet, du blanc de poulet, de la viande hachée, des steaks hachés, des cordons bleus,
Et je crois que c'est tout. Et bon, du coup, cette semaine, j'avais envie un petit peu de changer. Donc, je regardais au rayon viande et je suis tombée sur les petites tomates farcies comme ça. Ça m'a vachement donné envie. Là, le prix dessus, c'est 4,60€. Voilà, alors ça coûterait certainement moins cher hein, de les faire soi-même, mais franchement, j'ai pas la foi. Et elles m'ont l'air très bonnes. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, des petites knacks comme ça par 4. Parce que sinon après ça se mange pas, donc je préfère prendre des petits paquets comme ça pour pas que ça sèche, etc. Ça, ça fait un repas et c'est parfait. Ensuite, mon téléphone me perturbe. Il n'arrête pas de, sonner à cause de vous. Voilà, merci. Ensuite, du boudin. Voilà, du boudin pour faire boudin purée, enfin écrasé de pommes de terre. Voilà, c'est trop trop bon. On adore ça, ça sera pour mon mari et moi, les garçons ne sont pas trop fans de boudin. Voilà, ils auront sûrement les petites knacks comme ça. Ensuite, je vais faire des lentilles saucisses. Donc, j'ai pris celle-là. La dernière fois que j'ai fait des lentilles saucisses, j'avais pris des saucisses chez Lidl. Elles n'étaient pas mauvaises, mais elles n'étaient pas ouf. En fait, il y a des petits morceaux durs dedans, bref. C'était moyen et du coup je vais tenter celle-ci. Sinon la prochaine fois je prendrai nos régions du talent, mais elles sont vendues par deux et pour le même prix que celle-ci. Donc j'ai quand même voulu tester celle-ci, on va voir. Et puis bon, sinon la prochaine fois je prendrai les autres. Et pour finir avec la viande, j'ai pris des merguez. Voilà, un petit paquet de 6. Ça on aime bien tous, donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'avais plus de. Presque plus, je crois qu'il me reste une briquette dans le frigo de crème liquide. Je suis désolée pour les reflets. Hein. Donc de crème liquide, il n'y avait plus celle que je prends d'habitude. Donc bref, j'ai pris celle-ci, 4%. Les bleus, celles que je prends d'habitude. Pourtant, ça c'est léger aussi. Bref. En tout cas, il n'y avait plus que ça. J'ai pris ça. Il n'y avait plus que ça dans la marque Repère. La marque Leclerc. Sinon, il y avait les bris d'hélice, les je sais plus quoi, mais bon. Ça coûte bien plus cher. Ensuite, petite pointe de brie comme ça, parce que j'en ai envie, j'aime bien, les garçons aiment bien. Et j'ai repris une bûche de chèvre, parce que je vais refaire les tartines miel, chèvre-miel. Elliot a adoré, il a dévoré ça. Et il me reste quelques endives, donc je referai une salade d'endives avec des tartines chèvre-miel. De la moutarde. Voilà, j'en avais plus et je fais mes vinaigrettes salades avec de la moutarde. Donc il me fallait de la moutarde. À chaque fois qu'il faut une vinaigrette, je mets de la moutarde. Des champignons en petite boîte comme ça. Voilà. J'en voulais la semaine dernière et ils en avaient plus chez Lidl. Donc là, j'en ai pris. Ensuite, pareil pour le dépannage. Ça c'est surtout quand je suis du soir et que mon mari a la flemme de faire à manger, ou pour le lundi et mardi les garçons mangent à la maison le midi. Et des fois bah, ça dépanne bien, comme aujourd'hui il est déjà 13h30, j'ai fait les cours ce matin, mais vraiment je suis rentrée chez moi juste à l'heure où il fallait que je parte pour les récupérer, mais j'ai pas eu le temps de faire à manger. Je leur ai pris un McDo, ils étaient contents, mais voilà, ça typiquement. Ça prend pas de temps avec des saucisses de knacky là, ou du jambon ou que sais-je, ou un steak haché, et c'est nickel. C'est pas tout le temps, j'ai vraiment fait du dépannage, mais c'est bien pratique. Ensuite, le retour des petits muffins comme ça pour le petit déj complet. Voilà, enfin, juste parce que c'est trop bon pour le matin. Du petit cacao comme ça en poudre. Je vous avais dit la dernière fois que j'en achetais très rarement. Parce qu'ils en prennent très rarement et j'en ai déjà plus en fait. Donc finalement, ils ont pas mal pris. Voilà, c'est mon mari, je le soupçonne de boire du chocolat chaud le matin. Voilà, bref. En tout cas, on en a plus. J'en ai racheté. J'ai laissé ça par. Confiture de fraises. Voilà, comme d'hab, je prends celle-ci parce qu'il y a un peu moins de sucre. Et voilà, elle est bonne. Dans la marque Leclerc, il n'y a pas la fraise avec moins de sucre. Donc voilà. J'ai pris ça. Ensuite, oh là, j'ai repris les petits gâteaux comme ça, la façon pick-up, mais en mode Leclerc quoi. Voilà, franchement ils sont bons. Ils sont bons. Mais moi je les mange quand j'ai un petit creux avec mon café au goûter.
Jean-Jean. J'aime bien aussi. Les petites barres comme ça, chocolat, lait dedans. Voilà. Et j'ai pris la même chose mais en version, vous savez, petit beurre là avec, enfin voilà, genre les petits écoliers mais avec du lait dedans. Enfin, vous voyez quoi. Voilà. Ensuite, ça s'est pris dans le tiroir, des bananes. Et c'est tout ce que j'ai pris comme fruits parce que il nous reste encore des kakis. Ils sont pas partis aussi vite que la première fois, mais ils étaient même pas mûrs. Donc il a fallu attendre et là ils commencent juste. Donc voilà, c'est parfois l'inconvénient des fruits Lidl. Voilà. Bon. Les mangues, c'est pareil, on en a pris, on a mangé la deuxième hier, mais franchement elle était pas ouf. Il nous reste encore un ananas, le seul que j'ai pris d'ailleurs la semaine dernière, on l'a encore. Et je sais pas, une ou deux pommes, je vois, voilà. Et combien d'avocats? Je vois au moins un avocat. Donc je n'ai pris que des bananes et quelques carottes. Voilà, ça c'est pour mettre dans mes lentilles. J'ai pris que ça comme fruits et légumes. Il me reste aussi le brocoli que je vais faire ce soir avec du poulet. Et voilà. Et puis dans le congélateur, il me reste des haricots verts. J'ai encore un bocal de petits pois. Et je me suis dit que j'avais envie de vider tout ça, quoi. Surtout le congélateur, parce que ça fait un petit moment que finalement on les a. Et voilà, j'ai envie de les faire, de renouveler, on va dire, après, d'avoir des trucs tout neufs. Bref, des pains moulés comme ça pour le matin. Et on a bientôt fini. Un petit litre de jus de pomme et un petit litre de jus d'ananas. Voilà, c'est les deux. Ça, c'est Lenny qui aime. Et ça, c'est Elliot. En fait, ils aiment tous les deux, aiment les deux. Mais les préférences, voilà. Donc je fais plaisir à chacun. Et c'est tout. Je crois que je n'ai rien oublié. C'est tout. Je vois mes cheveux là, c'est une catastrophe. Je vais chez le coiffeur demain. Je vais chez le coiffeur demain matin. Je montrerai ça sur Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta, le lien est dessous là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je m'éparpille de plus en plus. C'est une catastrophe. Donc, ces courses, j'en ai eu pour... J'ai aussi acheté en même temps... Parce que, comme dit, j'y suis allée un peu tard ce matin. J'étais très occupée entre le site et vos commandes. Du coup, et j'en suis ravie. J'ai pas fini, j'y retourne juste après. Mais du coup, j'avais pas trop le temps de faire plusieurs passages, etc. en caisse. J'ai aussi pris un paquet de feuilles et une crème. Et en tout, j'en ai eu pour 57 euros. Donc, j'ai dû en avoir pour 48 euros, un truc comme ça, je vous dis, je vous mettrai exactement le montant là dans l'alimentaire. Donc franchement c'est hyper correct, je suis hyper contente. Par contre j'ai quand même pris, j'ai fait qu'un ticket, mais j'ai quand même pris du coup, j'ai 50 euros dans mon enveloppe alimentation et 10 euros dans mon enveloppe d'hiver. Donc au niveau des enveloppes je suis ok, j'ai juste le calcul à faire exact pour le noter. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, on commente, on like, on s'abonne, tout ça, tout ça. Et j'attends vivement vos retours sur le site. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!